Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'autre épisode Apprendre à programmer avec Python. Aujourd'hui, on va parler de opérateurs. Ok, opérateurs, on va l'utiliser en pile et il y a deux différents types. Type qui peut utiliser, qu'on va le plus utiliser leur programmer, c'est opérateur arithmétique. Ok, opérateur, on va mettre là pour nous, opérateur en créole arithmétique. Ok, opérateur arithmétique, ok, ça va le permettre de faire, va le permettre de faire des calculs normaux. Ok, par exemple, on n'a pas créé une variable, ok, on a pris les variables là, num 1 pour numéro 1, on a choisi balle valeur 5, ok, et ma tout le monde fait ma et tout, ma continue de monde fait déjà, sous même ligne, on va créer une autre variable, ok, on a créé deux variables sous même ligne, et puis on a pris les valeurs par séparément. Quand on a signé à l'imprimer, on va l'imprimer tous les deux variables, yo. Ok, on avait imprimé num 1, on avait imprimé num 2. Et puis, on a pris qui ça pas étonnant. Ok, nous allons remettre nous 5, nous remettre nous 9, qui est dit l'imprimé, tous les deux numéros imprimés ensemble. Donc, qui ça me l'a dit, voilà, c'est que je juste créer deux variables et puis yo chaque valeur par yo, sous même ligne, mais très important pour nous séparer yo avec une virgule. Ok, donc, il y a deux variables, ça là. Opérateur arithmétique, yo, qui ça, on va le mettre là pour nous, ok? C'est plus, signe plus, ça c'est leur faire addition, pareil, on va mettre en commentaire pour nous. Ça c'est pour leur faire addition, soustraction, ok? Signe star, ça c'est pour multiplication, ok? Alors, si on a slash, ça qui est pour division, alors, si on a double slash, ok? Double slash là lui-même, la permet toujours un quotient en division. Ok? Ça relève en anglais floor division. T'as les comme ça, on va prendre un exemple pour chaque. On va prendre un exemple pour chaque grain. Ok? Après ça, on gagne deux étoiles tout collées. Ok? Deux étoiles tout collées, chaque coin, ça c'est exposant. Ok? Ça veut dire exposant. Et puis après, on gagne un signe ça qui c'est modulus. Ok? Ça permet toujours un reste en division. On va prendre un exemple séparé pour chaque. On va créer une nouvelle variable, ok? Variable ça va appeler res, ok? Res pour résultat, tout coûte, ok? Donc on y a là on va faire des petites opérations et puis on va l'imprimer res, ok? On va l'imprimer res, ok? Oups, res, variable à les res, ok? On y a là on a fait calcul ensemble avec, on va laisser addition, num 1 plus num 2, ok? Pas oublier num 1 gagne valeur 5. Et num 2 qui valeur 9. Qui dit 9 et 5, 14. L'aime ajouter deux numéros, ça a donné 14. Et puis mettez-le dans la variable ça. Et puis m'imprimer là. Ok. Nous pouvons aller exécuter le programme là pour nous dire ça l'a dit. Ok. Ouais, nous libérons nous 14. Ok. Donc si nous changeons signe addition, ça nous mettez signe soustraction. Ok. Nous avons gagné 9 moins 5, il va le 4. Ok. Donc l'exécuter le programme là, nous libérons nous. Non, pardon, la banne moins 4. Parce que la banne moins 4, c'est parce que num 1 puis petit, donc elle est qu'en vente. Donc on va gagner 5 moins 9. On va gagner 9 moins 5. On va gagner 5 moins 9, donc il va moins 4. Parce que 9 là, il est petit à cause de signe négatif là. Ok. Ça, c'était pour soustraction. Ok. Qu'on y a là, pour multiplication, on juste mettre 5 ça. Ok. 9 fois 5, 45. Donc, l'exécuter programme, on a deux banne 45. Ok. Qu'on y a là pour division. Ok? On va diviser. On a 5. Ok? Divisé par 9. Il arrive à 0 point quelque chose. Ok? On va l'exécuter pour gamme nous. On va le bam 0,55 et puis un pilote numéro. Ok? On va changer de numéro ça. On va bailler num 1 en valeur 50 et puis on va bailler num 2 en valeur 2. Ok? Donc. Qu'on a là, on va laisser ça, ok? On va dire ça relève floor division, opérateur. Bah ouais, ça, qui ça le permet de faire? Le permet de faire une quotient en division. Donc, il permet de faire une quotient en division. On va l'exécuter pour programme. Et puis après, qui ça, il baille. Nous, il baille 25. Qui ça fait le baille 25? C'est parce que l'on a 50, on utilise le bord 2, et bien, quotient c'est 25. Ok? Mais là, on va l'utiliser ça. Parce que y en a l'autre signe, ça c'est pour si ça les modulo, ok? Qui ça permet de jouer, il va toujours un reste et une division. Par exemple, dans le cas ça, quand on a 50 divisé par 2, quotient 25, l'aime d'utiliser signe ça va avoir le quotient, ok?
Mais reste là, c'est 0. Parce que l'aime fait 2 multiplié par 25, il va me 50, 50 moins 50, il va me 0. Okay? Donc, si m'utilise le signe, ça va être le signe modulo, modulus. Okay? Et puis, m'exécute le programme, non, et bien, il va me donner 0. Okay? Pour nous capables de comprendre plus bien, je vais modifier num 2. Je vais modifier num 2 au lieu de 2, je vais me 4. Okay? Donc, qui ça va le banon? Il va nous 2. Ok? Il va nous 2. Donc, reste là, reste division, c'est 2. Donc, et nous, on va prendre signe addition, signe soustraction, multiplication, division, et on va prendre signe floor division, non? De bar là, on va oublier, on va prendre exposant, nous, beaucoup essayer, nous, Alex, exposant, ok? Avec son petit bar qui est plus simple, on a changé le numéro, yo. On dit gain 2. OK. Num 1. OK. Num 1 qu'on y a gain valeur 2, va oui. On va mettre 2 donc on va gain num 1 gain valeur 2 et puis m'élever au carré. Donc c'est 2 au carré qui t'a 2 bon 4. OK n'a. N'a pas exécuté programme là, nous ouais vraiment que li ban nou 4. OK, donc ça c'est pour signe exposant. Chaque fois que 2 étoiles collent ensemble, ça veut dire c'est exposant. OK. Donc ça c'était pour opérateur arithmétique. Yo. Opérateur ça, j'aime dire non, ça c'était opérateur arithmétique. Donc opérateur ça seulement on permet de nous faire c'est faire calcul arithmétique, pas vrai? Mais deuxième type d'opérateur qui existait, c'est opérateur comparaison, ok? Comparaison. Ça permet de comparer des valeurs, ok? Qui est sûr? Bon maintenant t'es pour bakayo kapi bien donné, ok? Opérateur comparaison yo qui ça oui mais c'est signe deux égal qui tout collé ah oui ça c'est pour comparer deux valeurs pour garder pour essayer deux valeurs égales ok après ça gain signe ça c'est pour comparer pour essayer deux valeurs différentes ok après ça of course on gain valeur inférieure ou gain inférieur ou égal ça soit gain strictement supérieur et pour un supérieur ou égal. OK? Et ça, c'est opérateur comparaison. Donc, on va le voir un exemple. OK? On va le voir un exemple. Opérateur, ça lui-même, pas oublier, me dit, nous, c'est pour nous comparer deux valeurs. Les nous, deux égales collées ensemble, c'est pour comparer deux valeurs. Par exemple, nous avons deux variables, ça, num 1 avec num 2, ah oui? OK? Nous allons comparer. On a dit, nous allons essayer de premier num 1. Ok. Nous mettons 2 égale et puis num 2. Ok. Donc, question ça fonctionne. Si num 1 égale à num 2, ok, la imprimé vrai. Ok. Si num 1 pas égale à num 2, la imprimé faux. Donc, dans le cas ça, 2 différents de 4. Donc, il a 2 imprimés faux. Nous allons essayer d'exécuter le programme. Non, vraiment vrai. Nous allons false. Il va nous. Faux, ok? Mais si au lieu de différent, si au lieu de égal, on mettait différent, ok? Donc, on a même primé, on dit num 1 différent de num 2, et bien si au différent, donc la même primé vrai, 2 différents de 4, donc l'exécuté programme, non, t'as deux bon nous vrai, ok? Nous, elle, bon nous, true, ok? Donc, on y a là, nous est signe comparaison, nous est signe, bon, ça c'est signe comparaison, les tout, mais comme si pour essayer de différent, ok? Là, nous parlons, ouais. Nous allons utiliser signe strictement inférieur comparé deux numéros ça ok nous allons laisser imprimer num 1 strictement inférieur à num 2 et bien 2 strictement inférieur avec 4 oui et bien l'exécuter programme nous t'as deux ben nous vrai t'as deux tourner chaud ok nous allons tourner chaud ok donc qu'on y a là inférieur ou égal ok inférieur ou égal 2 inférieur à 4 oui ok 2 égale à 4, non. Ok? Donc, il y a une valeur, il y a une condition qui remplit. Ok? Qui c'est 2 qui est inférieur à 4. Il y a une condition qui remplit. Donc, la bonne vraie. Signe inférieur ou égal là, ou bien supérieur ou égal là, pas oublier c'est ou. Donc, depuis une condition remplie, ok? La bonne vraie. Pas oublier ça. Depuis une condition remplie, la bonne vraie. Donc, dans le cas, ça me reprend, j'ai aussi 2 lui-même. 2 lui-même, li inférieur à 4. Donc, condition, ça remplit. Pour signe ça, condition, ça remplit. Donc, même les 2 pas égal à 4, condition, ça pas rempli. Mais depuis une condition remplie,
la retourner vrai. Donc nous allons imprimer ça, l'exécuter, nous allons le bon vrai. Ouais, le bon true. OK. Kounya là, nous allons essayer avec supérieur ou égal. OK. Donc, qui ça nous dit? Nous dit numéro 2 ça, chiffre 2 ça. Li supérieur à 4? Non. Li égal à 4? Non. Donc, tous les deux faux. Donc, la tournée faux. Donc, OK, je vais reprendre pour. Les mots vont sur ligne ça, OK, je vais imprimer ça. Les entrées là, dans la pente là, les comparer, ils disent OK. Num 1, qui va le num 1 gain? 2. Pas vrai? OK, num 2, qui va le gain? 4. Donc, on a comparé 2 avec 4. 2 supérieur à 4? Non. Ça, c'est faux. OK, ça, c'est son premier faux. 2 égal à 4? Non. Ça, c'est son deuxième faux. Donc, 2 faux. Donc, la première faux. Lorsqu'on a 2 faux ensemble, les bords faux. OK. Donc, nous allons exécuter le programme là pour nous faire la balita de banou false. OK. Nous tournons vraiment vrai le banou false. OK. Et qu'on a si nous avons ces signes ça, qui c'est strictement supérieur. Il compare, il dit 2 strictement supérieur à 4. Eh bien, il dit non. Donc, la même première faux. OK. Parce que 2 pas supérieur à 4, la première faux. Mais en fond, dit exercice, si nous changeons ça, nous changeons de place. OK. L'alta de tourner vrai, parce que 4 là, il est supérieur à 2. OK? Donc, il doit tourner vrai. Ouais, il tourne true. Donc, un bon exemple pour chaque bagage, signe ça qu'on utilise déjà, excepté 2 ça, on va vite utiliser. Très facile, ça c'était opérateur qu'on a utilisé pour capable comparer plusieurs valeurs. OK? Ça c'était opérateur comparaison. L'autre type d'opérateur que je voulais montrer, c'est opérateur logique. OK, opérateur logique yo qui ça oui yo c'est toi. OK, yo c'est n or nat. OK, qui genre opérateur ça va fonctionner? OK, opérateur logique yo qui genre fonctionner la frontière espace opérateur logique yo pas oublier j'aime dire nous deux trois types. OK, yo c'est n yo or ou bien nat. Dans le cas n, nan, ok, on prend un après l'autre. Dans le cas n, on dit que j'ai deux variables. Ok, j'ai x qui vrai. Ok, j'ai y qui faux. Ok, j'ai deux variables ça. Une vraie, une faux. Quand là, nous allons laisser imprimer x, n, y pour nous voir qui ça va le passer. Dans n, nan, dans le cas n, nan, là, j'ai vrai ensemble avec vrai, qui veut dire tous les deux vrais. Donc, li livré. Tous les deux faux, li faux. N, c'est tous les deux qui pour remplir condition. OK? Si tous les deux va vrai, par exemple, dans le cas ça va le bon faux parce que x vrai, mais y lui-même, li faux. OK? Donc, si vous mettez x, n, y, donc il va l'imprimer faux parce que il y a une valeur qui est faux. Nous allons laisser vraiment vrai, nous allons l'imprimer faux. OK? Kounya là, si tous les deux étaient vrais, ok, moi je change Y là en vrai. Si tous les deux vrais, et bien la bombe vraie, parce que tous les deux vrais, nous allons laisser. Well, bye, il va être dans ce nous comprenons ça qu'a fait là. Kounya là, nous allons mettre tous les deux faux. Nous devons qu'à côté tous les deux vrais déjà, ok, nous mettons qu'à côté tous les deux faux. Et bien, tous les deux faux, la tournée faux. Depuis tous les deux faux, la tournée faux. Donc, non, n, non, c'est comme ça l'utiliser, pas oublier. Là, on va comparer deux valeurs avec n. Pour l'ICA vrai, il faut que tous les deux valeurs soient vraies. OK? Si il y a une valeur qui est faux, la retourne est faux. Si tous les deux valeurs sont faux, la retourne est faux. OK? Ça, c'était pour n. OK? Kounya là, nous allons aller avec or. OK? Nous allons aller ensemble avec or. Au lieu de n, on va mettre or. Bon, mais pas ça, on va faire un détail, mais. OK? Au lieu de 1, on a baissé avec or. Or là qui vient de fonctionner. OK. Nous dit, or là lui-même, depuis qu'il y a une valeur qui est vraie, OK, réponse la prétournée, c'est vrai. Depuis tous les deux valeurs faux, la prétournée faux. Depuis tous les deux valeurs vraies, la prétournée vraie. Mais ça qui est plus important pour comprendre, c'est que depuis une valeur vraie, l'autre valeur faux, la prétournée vraie. Bon, nous allons laisser. Dans le cas, ça va pas bien me dire. Depuis tous les deux valeurs vraies, pardon, depuis tous les deux valeurs faux, dans le cas ça, côté x faux, y faux tout, qu'on a imprimé x ou bien y, ok, donc il va l'imprimer faux.
passé, nous avons l'autre valeur. Si nous avons vrai, nous avons imprimé vrai. Si nous avons tous les deux faux, il faut que nous avons faux pour l'imprimer. Nous avons souhaité sa logique pour nous. Okay? Donc, si nous avons changé une valeur, ça, ok, pas oublier les idées. Il y a une qui vrai, même l'autre la faux, l'autre imprimé, la bretonne vrai. Donc, nous allons essayer. Ouais, il tourne chaud, il tourne vrai, parce qu'il y a une qui vrai. Et depuis tous les deux vrai tout, donc pas une autre valeur, pas une valeur faux, impossible pour tourner faux. Donc là, tous les deux vrai, la tourne vrai. Ok, donc nous allons retourner chaud. Ça, c'était dans le cas or là. Ok, nous allons dans le cas notre là. Notre là lui-même, si nous, regardez, si moi exécuter le programme là, il t'a devant mieux erreur. Ok, il t'a devant mieux erreur. Ça fait ça. Nat la li même n'est pas pour comparer deux valeurs, OK? Nat la li même n'est pas vraiment comparer deux valeurs qui ça le fait, li just nier en valeur. Li just nier en valeur. On va le montrer nous. Qui ça veut dire nier en valeur. Par exemple, si mes premier note x, OK? Oups, x. Pas oublier, hein, t'as même fait rem fait x majuscule. Yon nan ba m'a dit nous c'est que variable les nous créer yo. Yo case sensitive, ok? M'bal ban nou un exemple bien simple. M'bal ban nou exemple. Case sensitive la ki sa vle di. Sa vle di si m'on variable ki x minuscule, ok? Si m'a laisse imprimer x majuscule la, ok? Gade pou nou la ban yon erreur la di m variable sa va existe, ok? Well do name x is not defined. Ki sa k fè sa? Eh ben, se parce que presque nan tout langage programmation net pou m'ba di tout. Et variable case sensitive. So créons variable x minuscule, ok, ou ballon valeur, ok. Donc, programme ne reconnaît x minuscule. Soit le mettez x majuscule, j'aime tout faire là, ma bise imprimer. Donc là, du même, nous va reconnaître valeur ça, ok. Mais si mettez x minuscule, d'après l'imprimer chou, on va passer valeur x minuscule là, c'est chou lié, ok. Nous allons l'imprimer chou. Très important. Nous sommes vraiment basons ici, mais nous ça dans le chapitre et variable là, donc. Et ça va passer dans la tête. Moi, là, je dis non. Mais ok. Quand on a là, on a retourné dans notre là. Pas oublier. Je dis non, notre là, qui ça le fait, notre là, li nier yon bagay. C'est négation yon bagay. Donc, si valeur a été true, li vini false. Ok? Si valeur a été false, li vini true. Notre là, pas oublier ou utiliser devant boolean seulement. Ok? Utiliser devant boolean. Donc, dans le cas ça, si mettez point. Oups. Pardon, si mettez point natcho, nat, bon, et ça c'est natcho, va c'est x gain valeur true, ok? Donc, là, au lieu de true, t'as doué false, parce que là, valeur x était déjà true, les mots mettez nat là devant, les vins niel, les changer là avec à false, ok? Donc, nous allons imprimer, nous allons il tourner false, bon, non, ok? Si je change valeur x là, là, qu'on a mettez false, ok? Les niel là, il change de false à true. OK, on a là si exécuter programme non, nous allons ban nous true. Donc messieurs nous comprendre extrêmement important, là on va le faire, on va le conditionnel, on va le comparer des ces valeurs, on va tester des ces bagages, là programmer concept ça opérateur ça extrêmement important. OK, il y a un autre opérateur qui est très important. Un autre type d'opérateur qui est important bill, c'est assignment opérateur. Opérateur assignment là qui s'allie, c'est le par exemple on dit une valeur ça qui c'est x, au lieu qu'on n'a pas changé valeur, n'a pas changé boolean, n'a pas changé type de données, n'a pas mettez dans dit égal à x égal à 4, OK, x égal à 4, y égal à 78, OK. Donc opérateur assignment yo qui ça oui, OK. Maman un exemple parce que la plus facile pour moi un exemple pour nous pas besoin d'un bad paquet, OK. Si par exemple moi gagne valeur ça, moi gagne variable ça qui c'est x, il gagne valeur 4, pas vrai? OK. On dit moi gagne deux variables ça, OK, x égal à 4 et puis y lui-même égal à 78. On prend même valeur x là, OK, même variable x moi gagne là par exemple, mettez 5 plus et puis moi mettez égal, OK, mettez 5 plus et mettez égal et mettez en valeur 5 par exemple. Et qu'on aime pas laisser imprimer. Regardez. En avant là, m'a font premier imprimer. M'a imprimer x là, OK. Après ça m'a réimprimer x là.
Pas oublier de nous programmer le lit de haut en bas. Okay? Donc, dans la ligne ça, je crée une variable, je crée x, je crée valeur 4, un integer. Bah, ouais. Dans la deuxième ligne, je crée une variable, je crée y, je crée valeur 78, qui c'est un integer. Tout. Okay. Quand y a là, dans la ligne ça, je m'imprime valeur x, pas oublier. Je m'imprime valeur x seulement, y, je ne peux pas travailler avec, juste quitter là. Okay. Dans la ligne ça, lui-même, laisse ça finir d'imprimer, bah, ouais. Dans la ligne ça, nous voyons ça. Ça que nous avons écrit là, ok, bon, tout mettre là pour nous, ça nous avons écrit là, lycée opérateur assignment. Ok, donc c'est espace, lycée opérateur assignment. Qui ça veut dire? Bon, mais interpréter comme ça pour nous en créole, c'est que moi, je prends valeur qui est à droite là, ok, m'a ajouté quelque soit signe opération ou bien là, ok, pas oublier ça, son opérateur arithmétique, là c'est pour faire addition, aussi, ok, quelque soit signe ou bien là, l'a appliqué opération. Ok, entre deux valeurs, ça, entre valeur qui est à droite là et valeur qui est à gauche là. Bon, m'expliquer. Là, j'ai x, pas vrai, qui est valeur 4. Ok? Donc, m'utiliser opérateur assignment ça, qui c'est plus égal. Donc, ça veut dire valeur qui est dans x là, qui c'est 4, m'a ajouté 5 là-dedans. Ok? C'est comme si m'écrit x égale à x plus 5. Ok? Ma commenter première ligne. Nan? Ok? Ma quitter ligne code ça exécuter pour me comment la baille. Ok? Donc, nous avons x qui est égal à 4, m'ajouter 5 sur lui. Donc, il a 9. Les mêmes premiers là, il a 9 parce que 5 et 4 baille 9. Ok? Ouais, on exécute le 9. Il a 4, il a 9. 4 là, lui-même, c'est premier ça. Ok? Pas oublier, on a imprimé deux fois. Ok? L'imprimé 4 là. Ok? Ça veut dire l'imprimé là. Ok? Mais là, l'imprimé 9 là, opération ça te en fait, x par une valeur 4 encore, qu'on a vu une valeur 9 parce que moi ajouté 5 sous lit. Ok? Donc, nous, écoute ça, il va assez long, mais programme, mon gars, là, pour le programmer, ok? Pour faire bagaille qui est plus belle, qui est plus simple, parce que façon écrit, code du tout, même les fonctionner, mais il est très important façon écrit, ouais. Gen code, gen façon écrit, yo plus rapide, yo plus performant, yo paraît plus professionnel, ok? Donc, ma vais passer ça, me faire. Ok, donc, pas oublier de dire nous c'est même bagaille là. Ok, nous avons valeur x là qui était 4. Ok, m'ajouter 5 là sous lit. C'est même ça que je fais à l'heure et même lui-même. Donc, si m'exécute ça, il va changer. Résultat va changer. Nous allons imprimer encore l'imprimer 4, l'imprimer 9 parce qu'il a ajouté 5 là quand même. Ok, au lieu de signe plus là, si c'est signe moins, moi je vais mettre. Qu'est-ce que tu as passé? Faites tout le travail qui soit passé, mais au lieu de retirer 5. Au lieu d'y ajouter 5 sur 4, et bien la retirer 5, la retirer 5 dans 4. Donc, résultat là-dedans, moins 1. Nous allons exécuter le programme là. Nous avons vraiment vu le bon 4 en l'air. Ça, c'est les opérations en bout de fait. Les m'appliquer ici, bah, ça maintenant. Ok, divine bon, moins 1. Parce que les m'appliquer 4, moins retirer moins 5 là-dedans. Résultat, c'est moins 1. Ok, donc, pas problème de dire nous allons utiliser et opérateur arithmétique là, nous sommes fait exemple avec plus, addition, nous sommes fait exemple avec soustraction, comme ça, tout le monde fait exemple avec multiplication, ok, donc, c'est même bagarre là, là, x est valeur 4, ok, m'a multiplié 5, ok, par valeur qui était dans x là, donc 5 fois 4, bam, 20, les mêmes imprimer ça, les bam, les doué bam, 20, les mêmes exécuter le programme, non, nous avons vraiment vu le bail 20. Ok, même j'en tourne qu'à utiliser signe ça, signe division, pas oublier, me dit non, tout opérateur arithmétique qu'on a utilisé ou là, ou elle met des signes de division, on a exécuté, et maintenant elle bonne 0, 0,8. Parce que log 4 divisé par 5, ok, elle bail 0,8. En même temps, tout, on a utilisé signe modulus là. Ok, on a utilisé signe modulus là. Ok, ouais, il va 4. Bon, ok, moi, c'est bien de comprendre. Dans quel sens vous utilisez opérateur arithmétique? Vous pas oublier, vous pouvez utiliser addition, vous pouvez utiliser soustraction, mais pas oublier, il faut que tout colle à égal là, sans espace. Okay? Sans espace, il faut tout coller. Okay? Addition, soustraction, division, okay? Multiplication, okay? Vous pouvez appliquer et pour un quotient tout, floor division, okay? Vous pouvez ajouter et multiplication, on l'a dit déjà. Pardon, des îles, multiplication, ok. Tout ça au café, c'est toujours même bagaille. Ok. Il y a un autre type d'opérateur qui est important encore, qu'on peut utiliser en pile, c'est opérateur identité.
opérateur identité ou bien yo dit est spécial tout opérateur est spécial. OK. Yo de deux types seulement. OK, yon et l'autre c'est is et puis l'autre là c'est is not. OK. Is not. Bon, c'est pareil pour nous bon virgule pour nous pas troubler. OK, c'est deux types ça. Is là qui s'allie par exemple. On va effacer ça, on va effacer tout ça, parce que je n'ai pas besoin. C'est monsieur que je vais prendre un exemple de bail. On crée une variable qui est, même variable x là, la balle une valeur qui est non. Le problème, c'est que nous, non, c'est une sorte de type de données liées. OK? Nous avons une valeur ça. OK? Nous avons une valeur ça. Quand on est là, on dit. N'a essayé, nous dit, nous va essayer d'imprimer x is none. OK? X is none, si x none, ça t'a dû imprimer vrai. Parce qu'en l'air, nous dit x n'est pas le none. Et bien, OK, nous allons exécuter le programme, non? Nous allons dire vrai, parce que x none. OK? Mais là, si au lieu de is, mettez not, is not. OK? Donc, il t'a dû false. Il t'a dû bon false. Ça fait ça, parce que is none et il m'a mis des notes donc nearly. OK, donc c'est peut-être ça libano false. OK, donc c'est ça seulement ça lui paraît simple on va l'utiliser en pile le programmer puis devant dans Python. OK, n'a quitté opérateur là gon l'autre type d'opérateur qu'on dit plus avancé. OK, qui a rapport avec bit ou beaucoup pour l'utiliser bah ça c'est ça c'est concept avancé donc quitter le beau et n'a quitté ça là pour opérateur jusqu'à présent pas oublier pratiquer. Très important. Au commencement, ça paraît difficile ou ça troublé, mais pas oublier ces pratiques qui pral faut faire, qui pral faut comprendre. C'est pas comme dire faut pratiquer. On va venir avec quelques exercices pour nous capable pratiquer. OK? Et puis pas oublier n'importe doute nous gagne, n'importe question nous gagne, nous mettre poser en commentaire et puis même m'a faire pour me répondre nous. OK? Pas oublier commenter, pas oublier like et puis partager vidéo avec amis nous. Après nos prochains épisodes. Bye bye.